Est-ce qu'on va enfin se demander ce qu'il y a dans les textes mêmes sacrés de l'islam, ce qui peut pousser à la violence contre ceux qui ne sont pas musulmans, et est-ce qu'on va un jour prendre cette affaire à bras-le-corps? Est-ce qu'on va un jour considérer que la violence structurelle dans la cité, qui impacte particulièrement les forces de l'ordre, les forces de santé, de sécurité, je pense aux pompiers et aux autres, est-ce qu'on va un jour réfléchir sur ces causes? Est-ce qu'on va un jour se demander si la même semaine, c'est un hasard, si effectivement on apprend que la violence contre des policiers peut triompher devant un tribunal de la République d'un côté, comme à l'affaire de Viry-Châtillon, et quelques jours plus tard, on constate que des policiers sont agressés sans aucune espèce de retenue. Tout ça, évidemment, est lié. Donc c'est une affaire de climat, et s'ajoute, comme vous l'avez justement dit, une espèce de laxisme généralisé sur la capacité que nous avons à laisser entrer sur notre territoire des gens qui n'ont rien à y faire et qui... Alors c'était impossible à déceler il y a 12 ans, bien sûr, quand il est entré, cet homme, mais probablement que, de toute façon, on pourrait s'épargner bien des difficultés si nous étions plus sévères en ce qui concerne l'accès au territoire de personnes qui, visiblement, n'ont pas grand-chose à y faire.